entre Madame Wanda von Dunayev et Monsieur Séverine von Kouchamski. À compter de cette date, Monsieur Séverine von Kouchamski cesse d'être le fiancé de Madame Wanda von Dunayev et renonce à tous ses droits d'amant. Il s'engage, par sa parole d'honneur et de gentilhomme, à être l'esclave de la susnommée, et ce, jusqu'à ce qu'elle lui rende la liberté. En qualité d'esclave de Madame Wanda von Dunayev, il portera le nom de Grégor, devra absolument combler tous ses désirs, obéir à chacun de ses ordres. Il accompagnera sa maîtresse avec soumission, et considérera toute manifestation de sa bonté comme une extraordinaire grâce. Madame von Dunayev dispose non seulement du droit de châtier son esclave pour les plus petites fautes ou négligences selon son gré, mais également du droit de le maltraiter selon son humeur ou pour se distraire tant qu'il lui plaît. Elle a même le droit de le tuer si bon il semble. En résumé, il devient son entière propriété. Si Madame von Dunayev venait un jour à rendre la liberté à son esclave, Monsieur Séverine von Kouchamski devrait alors oublier tout ce qu'il avait fait ou enduré durant son esclavage. Et jamais, sous aucun prétexte et d'une quelconque manière, il ne devra penser à se venger ni exercer des représailles. En contrepartie, Madame von Dunayev, en ses qualités de maîtresse, promet d'apparaître aussi souvent que possible vêtue de fourrure, particulièrement lorsqu'elle voudra se montrer cruelle envers son esclave.